Final Loser UMVC 3. C'est en 3. En 3. C'est évidemment en 3 gagnants. Best avec deux teams où on reconnaît du Magneto, du Doom dans les deux équipes. Donc suivez bien. Qui est le White Black? White Black en blanc. White Black pour l'instant qui mange le premier opening de Momochi. Mais en fait, il avait pris l'assist. Donc White Black qui commence à donner au disrupteur. Pour l'instant, White Black qui a un tout petit peu mangé, mais ça va, c'est pas trop grave. Il s'en est plutôt bien sorti. Et l'assist de Dante. Mais White Black n'a pas le temps de reprendre. Il place la Earth Throw. Normalement, il y a combo derrière. Pierre, et il a choisi une sorte de recette maléfique. White Black, les Doom, l'assist missile qui va permettre de faire OTG. Et voilà la super qui passe pour White Black, qui est sur le point de sortir le Magneto de Momochi, million dollar baby. Tout de suite enchaîné, ça permet de tuer le premier perso sans problème pour White Black. Attention, la retombée, il mange l'arrivée. Momochi, voilà le hammer et le combo, le full combo de White Black. Qui doit absolument pas rater, mais il n'a pas l'habitude de rater ce genre de choses. Il choisit de snapback, évidemment, pour tenter d'ouvrir le Virgil sur son arrivée. Mais c'est quoi cette garde? Une garde bionique de Momochi, mais qui finit par se faire ouvrir. Et White Black qui drop son combo. White Black qui drop au pire moment, il réouvre, mais il redrop. Momochi qui comprend plus rien à ce qui se passe. Il a un petit peu perdu pour l'instant. Ça, c'est relativement safe, le disrupteur en assist qui permet à White Black de continuer à mettre la pression sur le Virgil. Ah voilà, Spiral Sword qui va éventuellement lui permettre de respirer un petit peu. Genre japonais, un tout petit peu débordé hein, dans ce début de round. Et il a trouvé le Happy Birthday avec l'exactant. Momochi qui fait un comeback de l'invisible. White Black a absolument tué le Virgil. Ah, ça va être dur. Ça va être dur avec un Doom des Ténèbres tout seul contre le japonais qui a repris de sa vie grâce. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait White Black là? Qu'est-ce qu'il fait? Il mange. Ah là là là, ça sent très mauvais. Je pense qu'il va mourir avec le Spiral Sword Loop du japonais. Il a fait une remontée, on sait pas ce qui s'est passé. C'est très rapide, c'est Marvel. Et ça veut rien dire. Très beau comeback magnifique de Momochi. Alors là, complètement stun. Hein. Franchement, ce match, il s'est passé des trucs assez improbables. Comme la chop pas confirmée derrière mais avec Cousette assist, c'était vraiment surprenant. Et du coup la chop pour Momochi qui va ouvrir voilà gentiment le magnéto de son adversaire dans le corner et ça rotate Doom et ça passe du bout de la bottine. Et du coup il va écraser son adversaire contre le bord de l'écran, il y a toute une barre à remonter, oh, il craque les barres. Il va traquer les barres, est-ce que ça va suffire à tuer? Non, je ne pense pas, il est dans le corner, ça va faire assez de dégâts, donc son magnéto est safe pour l'instant. Il va vraisemblablement faire un DHC pour le safeiser. Et en plus il a chopé l'assist, je crois, oui il a chopé l'assist. C'est la Pibers, il va pouvoir tenter un comeback. Voilà, il se TP, il récupère les deux, il est du bon côté, tout va bien. Et puis du coup, Volcano BI va à nouveau, million de dollars. Et voilà, ça tue, c'est bien la foule, ouais ouais, on est bien, on est là en France. Ça supporte bien, le Mael, c'est bien. Allez, du coup, le Doom qui temporise pour l'instant, forcément. Oh, c'est dommage, c'était bien tenté ce mix-up avec Dante. Mais du coup, eh bien, le Doom, c'est très très bien foutu en dehors avec cette dive à voir. Et du coup, pour l'instant, il a réussi à le zoner, c'est bien joué. Pas de confirme du bout de l'épée, mais c'est pas grave, parce que rien à foutre, il s'éléporte direct pour continuer l'assaut. Et voilà, White Black qui a activé le mode level 2 hein, pour la remontée des losers. En mode Saiyan, qui pour l'instant, voilà, est tranquillement installé. Les petites deux barres, non, encore un Volcano Dive, level 3, voilà, Devil Must Die. Et voilà! Et il est là, le White Black! Un match partout, un Happy Birthday d'ailleurs, rendu à Momochi. Voilà, ça va pas aller très vite. Happy Birthday, c'est quand on chope les deux persos, c'est-à-dire le perso de l'adversaire et son assist dans le même combo, ce qui permet de faire évidemment très très mal. Oh, White Black qui chope en ouverture, en opening, chope d'opening avec un combo optimisé qu'on a rarement vu sur une chope derrière. Il est regardé la barre du Magneto qui vole avec évidemment les missiles qui vont faire au TG et la super derrière Momochi qui s'est fait complètement remplir le Magneto sur cet opening. Attention, c'est maintenant que ça va jouer sur l'arrivée avec l'assist. Oh, Momochi, mais comment il sort de ça? Et il a une garde bionique, mais il mange quand même la chope de White Black qui lui permet de l'envoyer dans l'autre corner avec le fly combo qui passe pour l'instant. Gravity Loop, non, snapback, il choisit le snapback pour évidemment le Virgil qui déchoppe. C'était magnifique de Momochi. Déchoppe, ça aurait pu faire très très mal cette chope pour combo, mais il a complètement une garde. Momochi finit par manger une rosette sortie d'une part de White Black. Voilà, qui part en air throw. Le trop combo qui passe, voilà, on retourne de l'autre côté avec le Island Missile, ça s'est passé. Et voilà le Gravity Loop avec l'assist Virgil et la level max de Magneto. Ça va tuer, évidemment, ça fait pas mal, il reste que le Doom. Gros avantage sur White Black, attention, attention quand même, un Doom level max sur le côté Bishop. Et qui rate pas son double web dash qui lui permet de partir. Regardez la barre qui vole, le vol Rainer qui s'en va. Et Momochi qui prend largement une option. Ouf, qui se fait ouvrir. Momochi qui se fait ouvrir. White Black. White Black qui est bien. White Black qui est bien. S'il rate pas son combo, il peut en finir
faut pas qu'il rate. Oui, il se rate un petit peu, Wadlax. Il était un petit peu loin. Momochi qui n'a plus de X-Factor par contre, donc il n'a plus l'avantage sur Wadlax qui peut zoner tranquillement avec son assist Iron Missile. Et voilà, Wadlax qui passe en Devil Trigger, le mode Bankai. Pour l'instant, il recule. Voilà, il va zoner, il a aucune raison. Attention quand même au Doom, hein, qui a 5 barres, mais qui n'a pas de X-Factor, donc il n'a pas du tout l'avantage. Wadlax qui n'a qu'à zoner. Balle de match pour Wadlax. Franchement, ce combo optimisé shop au début qu'on a vu, la barre, comment elle a volé, alors sur shop on fait que la moitié des dégâts, c'était juste énorme ce qu'il a fait. Et la shop à nouveau, voilà, c'est bien, allez, il trouve l'ouverture, il va peut-être en faire la même. Bon, pour l'instant, du coup, voilà, vous voyez, les dégâts sont un petit peu moindres avec ce combo. Mais du coup, effectivement, sur shop, ce qu'il a tout à l'heure, je comprends juste pas comment il a fait. C'était juste assez exceptionnel, pardon. L'hyper grave, voilà, double pour récupérer. Et encore une fois, voilà, Gravity Squeeze, ça tue direct le Magneto. Voilà, on casse le Manga Magneto. Quoi qu'il sera pas mort, il est pas mort avec ça, mais il récupère le Kumo. Il a récupéré avec le stand S. C'était magnifique, il est pas mort, il veut pas mourir. Et du coup, et bien évidemment, il va DHC pour pouvoir récupérer une demi-barre de vie avec son Magneto pendant qu'il est sur le banc de touche. Et du coup, est-ce qu'il va réussir à ouvrir le. Alors la question, c'est s'il ouvre, est-ce qu'il va snapper ou pas le Virgil ou le Magneto? Je n'en sais rien. On va voir un petit peu comment il continue de développer son plan de jeu. Pour l'instant, il est en corner shop, donc les dégâts sont pas là. Mais c'est... Ah, il a tenté le reset, malheureusement, il se prend une batte trop en défense. Et du coup, voilà, le Doom dans le corner, et bien il est à l'aise, il envoie les combos classiques, et même avant HS. Qu'est-ce qu'il va faire? Un petit follow-up avec l'assist de Virgil, le air photon arrêt, après le plasma beam. Et il se débarrasse du Magneto. Bon, et bah du coup, voilà, avec juste ce que je disais tout à l'heure, hein, dans Marvel, faut tuer, hein, parce que là, vous voyez, son Magneto, il a récupéré quasiment tout sa barre de vie. Heureusement que White Black, il vient retrouver le retour de garde sur le double. Sinon, eh bien, son adversaire avait vraiment bien repris l'avantage. Mais de toute façon, c'est Marvel, c'est jamais terminé tant qu'il reste une once de vie. Et Just Long l'a prouvé bien des fois. Allez, ça tue pas, mais voilà, le cerf flamandé HC, ça par contre, c'est bon, ça tue. Le cancel de la Fury par l'autre Fury. L'Hidden Missile pour accueillir son adversaire et l'objet à garder. Et qu'en plus, l'assiste dedans. Il tente les mix-up. Bonne garde, hein, excellente garde du japonais Momochi. Oh, bien joué le Starplay, le Chokewave, hein, en punition du Tree Jump arrière, RM de Doom. Et du coup, c'est mal barré avec Virgil, effectivement, qui a craqué les barres, le X-Factor, plus le Devil Trigger. Donc là, il est complètement full sans droit et il le montre en sortant le Doom. Il reste la deal, Dante et un X-Factor, il y a totalement moyen de faire quelque chose. Non, ce confirme. Alors, je sais pas si t'as un confirme, mais en tout cas, c'était complètement stellaire ce qui vient de se passer. Et du coup, voilà, il confirme. Eh, hey, il est là, Momochi, hein, il est là, c'est on peut applaudir que... complètement. C'est maintenant que ça va jouer, Momochi. Et ça s'est joué à un Magneto, on peut le dire, hein. Peut-être que le Magneto... Ouh, White Black. Est-ce qu'il va prendre sa... Est-ce qu'il reste sur sa team? Est-ce qu'il va changer quelque chose? Gros moment d'hésitation. Et non, ça... Non, bah non. En fait... White Black qui insiste, hein, sur la même team. Peut-être pour respirer un peu, hein, ce retour au character select. Et c'est reparti, c'est sur le... Encouragement pour White Black, c'est le dernier. Le Japon est en face de lui, la porte pour la finale. Et White Black qui trouve l'ouverture sur Eden Missile, je sais pas trop quoi. En tout cas pour l'instant, White Black qui snap back tout de suite. Il veut attaquer le Virgil. Et il trouve le snap back sur le Virgil. X-Factor, il va pas le laisser vivre. Il va pas, il veut tuer. Et il faut qu'il le tue parce que sinon il n'aura rien pour rien. Chaque patron X-Factor pour rien. Et White Black qui va tuer sans dépenser de super. Mais s'il vous plaît, sans dépenser de super. Attention, c'est maintenant que ça va jouer sur le Doom. White Black, Momochi qui s'en sort très bien parce qu'il est apparu de l'autre côté de l'écran. Et il prend l'ouverture avec l'Iron Missile, c'est pas grave, le combo en corner. White Black qui sera en tout cas prêt de tenter un reset, je sais pas trop. Pour l'instant, ça touche, ça lui permet de sortir, de venir avec le Magneto. X-Factor! Momochi, X-Factor level 2. Il a... Voilà, c'était fou. En tout cas, il vient de tuer le Magneto. White Black qui n'a plus de X-Factor. Mais Momochi, le level 2 qui va durer moins longtemps, ça va peut-être bientôt finir. Voilà, White Black doit absolument tenir le temps que le X-Factor soit passé. Donc, petite ouverture à les missiles pour gêner le combo de White Black qui passe en Devil Trigger. Tout de suite, avec le THC, très très bien trouvé. Avec le Doom qui a entré pour l'instant le léger avantage à White Black. Les deux joueurs aux 3 barres, mais ont utilisé leur X-Factor. White Black a vu quelque chose, peut-être un assist. Ah non, c'est la fameuse phase avec Doom là, les deux barres, pour pouvoir aller mind game. Oula, il s'en sort bien avec l'assist. White Black qui peut zoner. Super zoning au beam. Allez, White Black qui doit trouver l'ouverture là sur Doom. Attention, attention à pas se faire ouvrir. Le Doom qui a 4 barres, mais qui n'a pas de X-Factor. Et voilà, je vous dis attention à pas de prendre le foot, le S. Ça peut faire très très mal tout de suite. Et surtout qu'il a quand même 5 barres. Ça devrait suffire à tuer. Non. Si, ça tue. Ouais, ça tue.
ça tue. Et c'est Manox, ça va jouer au dernier perso du dernier match. C'est la folie, le premier qui ouvre à une bonne chance. White Black qui n'a qu'une barre de smoop avec le David Trigger. White Black qui trouve l'ouverture avec le David Trigger, c'est magnifique. Il faut pas qu'il se rate. Million Dollar Baby pour gagner le Stunfest. Ah, pour gagner la fille de la loser, vous m'avez compris. Et White Black. White Black en tout cas qui représente la France, qui sort le joueur japonais et qui va au moins avoir l'opportunité de jouer contre Justin Wong. Ça va pas être simple.